Bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier et bienvenue pour la suite de Brave of Fire. La dernière fois, il s'est encore passé plein de choses. On est dans un volcan en activité qui se trouve sous l'océan pour y jeter un œuf. Œuf qui a fait un truc et donc on a pu se transformer en poisson pour combattre encore plus de méchants et battre un nouveau général qui se transforme. On a avec nous Bleu, la sorcière qui nous a rejoint, et je suis remonté en fait à Prima pour vérifier quand même que je n'avais rien oublié. Voilà, bah comme par hasard. Ah, c'est le pouvoir de Gobi. Alors, voyons. Ah oui, c'est vrai, il y a un mort. Impec. Et soigné parce que oui, Nina était tombée au combat de manière moche. Donc Gobi. Ok, d'accord. Ah non, faut que j'utilise l'objet qui est dans l'eau. Ok. Alors juste avant, je vais quand même aller chercher un objet. Un objet qui me serait intéressant d'avoir pour avancer un peu plus vite. Alors... pas ça. Ou alors c'est Biff 3, mais alors ça s'utilise pas en combat. Bref, continuons. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Alors déjà, fusion. Gobi. Enfin. Stat, non. Changer de fusion ici avec lui. On va mettre la magicienne ici. Et objet. Ouais, la sphère. D'accord, bon. Oui, alors par contre, où est-ce que je vais bien pouvoir aller? À moins qu'il faut que je mette Gobi. On ne sait pas. Ah, peut-être. Ça se tient. Donc il faut que... Je découvre. Calmez-vous. Si je mets... voilà. Et donc... Gobi. Ah ah, je le savais. Il fallait aller sur Gobi et appuyer sur A. Et je suis un gros poisson. Est-ce que cela m'empêche seulement d'avoir des combats? Très franchement, je ne sais pas. Mais admettons que. D'accord. Ah, par contre, ça, je ne sais pas si c'est le ce que j'ai envoyé les B3, mais je voulais pas de combat. J'explore un petit peu quand même. Parce que là, ça va plus vite et c'est beaucoup mieux. Donc oui, il y a des fonds. Quand même des beaux fonds, des corailles de... qui ont bien été refaits. Là, ça mène où exactement? Des cailloux. Oh mon dieu, des cailloux me barrent la route. Ça se trouve, c'est une zone au pif que j'ai découvert. Donc, Kern à la place de Hawks.
Ah, je ne peux pas. Zut. Bon, bah c'est pas là que je dois aller. Ce n'est pas là que je dois aller, mais au moins je sais que j'y étais. Et ça, c'est important. Bon, alors dans ce cas, il faut aller de ce côté. Donc, ah, je ne peux pas. Donc, ouais, faut aller ici. Et alors après, je vais devoir m'aider de la carte pour savoir où je dois aller. Par ici. D'accord. Donc, il faut que j'aille tout là-bas. Déjà, c'était pas là. Je suis en train de m'aider avec une carte, en fait, pour voir où je suis, où je dois aller. Je rappelle que ce jeu est compliqué au niveau des, au niveau de savoir où est-ce que je dois aller et qu'est-ce que quoi. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé de chemin. Je vais me tromper de chemin. Alors, a priori, oui. Je me suis trompé de chemin. Ce qui est assez ennuyant. Donc on va la refaire de là. Parce que sinon je ne comprends rien. Il faut que j'aille tout droit. À un moment. Voilà, je... Ah, c'était ici. Voilà. Donc c'est là que je dois aller. C'est compliqué les fonds marins, hein, je vous le dis. Et donc en haut, je suis là et j'atterris ici. Et a priori, je peux faire un truc. Je peux faire quelque chose avec Hawks. Alors je le découvre. Une noix tout gros. Est-ce que je peux faire ça plusieurs fois? Ouais. Ça a l'air d'être un truc un peu pété, donc je... Ah bah. Ah, c'est marrant la petite animation là. Alors. Donc là, je ne sais pas où je suis. Je le découvre en même temps que vous. Je suis à... Tonla. Tonlan. Ou Tonlin. Alors... Ouais, bon, évidemment, la carte affiche les noms en anglais. C'est pas trop super, ça. Donc, une INN. Un canard. Ouais, il y a des canards. Et des grandes maisons. Des très, très grandes maisons. Alors, donc, il y a plein de choses. Alors, je ne sais pas. A priori, s'il fallait juste aller à cet endroit pour aller à cet endroit. Pour avoir sans doute la possibilité de se TP. Exact. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Donc, en fait, cet endroit, ça servait juste. Peut-être pour plus tard. Je mise que ça doit être pour plus tard. Donc là, oh les fonds marins de nuit c'est vachement haut. Donc là on remonte et c'est là où j'étais allé la première fois avec la première sortie au nord. Voilà, ici que l'on va aller. Mais à partir de là, alors les symboles de dragon, ça, ah ça je sais toujours pas à quoi ça sert, ça doit être des TP. Alors elle écrit où? J'aurais peut-être dû me mettre ailleurs. Un mage guerrier, quoi? Qu'est-ce que quoi? Un peu d'XP, oui. Donc ça,
là et... Mais il fait jour. Du petit monstre, pas grand-chose. Un village. Ah, il y a un combat. Donc là, je vous assure, on va avancer. On avance doucement dans l'histoire. Allez, malédiction, voilà, t'es content, il a mis sa malédiction. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! Et donc là, je suis à. Oh, très beau village. Je suis à Guts, très bien. Donc. Déjà, est-ce qu'il y a une hyène pour que tu tournes? Ouh, elle tourne et lui court. Oui. Non, vraiment. Ah, parfait, une auberge. On va s'arrêter à l'auberge, hein. 80 pièces d'or, ça va. C'est pas la mort. Voilà, donc là techniquement. Parfait, plus de problèmes de santé. Du coup, vu que ma fusion là, comment ça se passe quand ils dorment? Alors. Non, moi je voulais pas aller là en fait. Déjà, je vais voir ce qu'ils vendent. Ah, il y a des armes. Alors attendez, parce que s'il y a des armes, il y a peut-être possibilité de maxer le plus possible les personnages. Et ça, ne le cachons pas, ce n'est pas négociable. Alors, on a. Alors, voyons voir. Une dague pour Karn, un arc pour Beau, une épée ailée, oh, épée ailée, un masque, deux boucliers et voilà. J'ai pas du tout retenu à qui je devais donner tout ça. Équipé, donc toi, je sais. Alors. Ah oui, fou, pas mal. Ah, le petit plus 8 de défense, il est pas mal. Pff, 219. Oh. Ah oui, alors les cannes. Alors, faut peut-être que je pêche à un moment. La petite dague, pas mal. Oh, alors ça, ouais. Bon, puis après, bon, rien d'intéressant. Toi. C'était quoi? C'était un casque. Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ces personnages qui augmentent avec des caractéristiques? Oh, c'est beau! Et là, hop. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais peut-être vendre mon bordel, par contre. Je vais te vendre mon bordel. Alors, juste vérifier un truc. Ouais, tous les objets équipés, c'est gardé. Donc, épée puissante, je la donne. Marteau fer, je la donne. Rapier, je la donne. Gourdin, gros bâton. Arc. Bon, ça, je le garde. Je sais pas à quoi ça sert. Noix de coco. Je le garde, ça c'était son ancien truc, ça oui. L'épée les je le garde, ça je le vends, ça je le vends, ça je le vends, ça je le vends. Et ça je le vends, et puis voilà. Et puis on est bien. Bon, là je suis bien mieux stuffé que d'habitude.
petite sauvegarde en vitesse si je peux. Ça doit être ici. Non. Ici. Ah, bonjour. Une grosse mouche. C'est quoi ça? Oh, c'est des œufs, ça. Je sais pas ce que c'est. Y a pas de sauvegarde ici. Ah, peut-être là. Ça y ressemble. Oh, c'est même pas... Ah, je suis déçu et choqué. Alors... Ouais, donc c'est ça. Parce qu'en fait, il me disait, il faut aller en haut jusqu'à apercevoir quelque chose, là. Donc, ouais, c'était ça. Donc là, alors, je vais quand même essayer de me repérer sur la carte. Pour voir pourquoi je suis sur cette map. Je suis donc sur le cours d'eau. Et quand même... Ok, donc je suis ici. Je suis donc... ouais. Ici, et c'est a priori l'avant-dernier donjon du jeu. D'après la carte. Oui. Je suis toujours dans Guts, a priori. Alors, ça, j'aimerais savoir ce que c'est. Je sais pas ce que c'était, mais je. Est-ce que ça m'a empoisonné? Ouais, je sais pas ce que ça m'a fait, mais je l'ai mal vécu. Il y a un pot cassé, là il y a un truc. Ah non, alors les donjons, plus tard, s'il vous plaît. Donc, ok. Alors, et je suis dans le labo. D'accord. Alors, il y a des coffres. Il y a des gardiens. Alors ça c'est... Ah, il me fait penser à quelqu'un lui. Mais oui, souvenez-vous, ce personnage que j'avais qualifié... What? 600... Mais qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Waouh. Quoi? Oh, what? Ah, c'est... Waouh, j'ai pas... Ok. De l'herbe. Ah oui, allez. Ah mais c'est des... Encore? Bon bah... C'est roublant. Waouh, ouais, ça m'a fait peur les dégâts que j'ai fait. Waouh, et... Wow. Alors... Est-ce que ça va être comme ça? Putain, et 3700 d'XP et encore un level up. Alors si je peux level up des gens, je ne m'en prive pas. Soin 2. Alors... Ah, au moins il y a des combats... normaux. Mince. Je pouvais dire fuck, mais en fait ça doit être normal. Ça c'est pas normal.
Excusez-moi, c'était une grosse intervention IRL. Oui, il y en aura à chaque fois. Et parce que... Et en plus, parce que pendant une bonne minute, mon micro était mute. Et je n'avais pas remarqué. Et j'ai oublié de me soigner. J'ai complètement oublié de me soigner. J'ai oublié de soigner Nina. Ça va, c'était pas Nina. Oh, mais une dégâts de fou! Ah, ça me... Je suis sidéré de voir des trucs pareils. Je peux vous le dire. Quoi? Faudrait que je pêche un jour. Mais quoi? Une canne? Bon, je... Est-ce que je peux officiellement dire que je suis pêcheur confirmé de par le fait d'avoir une canne aussi balèze? Je pense que oui, je peux vous le dire. J'explore un peu tout parce que, mine de rien, 3007 d'XP gratos à chaque fois que je combats ces trucs, et ben c'est plutôt cool. Ça permet une avance assez considérable. Ah, puis les dégâts de... Ah, c'est de... D'accord. Ok. Très bien, une attaque de zone. D'ailleurs, si vous êtes là, si vous avez suivi jusque-là, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Parce que c'est important. Ah, il y a des trucs, mais bon. Moi, je suis joueur. Ah, moi, j'aime jouer. Oh, des coffres. Ouais, écoutez, je suis joueur, monsieur. Je vais chercher, je vais encore chercher plus loin. Ah, il m'a endormi, salaud. Sale petite racaille. La racaille, n'est-ce pas? Ah, ça met des vrais dégâts, par contre. J'ai pas sélectionné combat automatique. Non. Malédiction, oui, trop bien, j'aime. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime vraiment ce qui se passe. J'ai pas un truc pour... Non, bon. Voilà, j'ai eu un objet un peu craqué. Et donc, là il n'y a rien, mais là il y en a un. Bon, voilà. Alors, j'ai bien vu que les murs étaient cassables. Des lanciers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, j'avais pas vu le 3 points de vie, par contre, ça. Je suis désolé parce que j'ai l'impression de donner des coups dans le micro. Ouais, et puis juste pour ça, hein, c'est bon. Un lancier là. Voilà, c'est fini. Allez, au revoir le lancier. Fuite. Oh, fuite, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est donc? Ah, ça c'est 8. What? Orage niveau 4. Oh. T'as sur un groupe d'ennemis. Ah, ça c'est cool. T'as 20 PA. Aïe. Ah, la consommation de points d'action est énorme. Alors, on va utiliser quelques petits objets. Putain, j'ai des soins aussi. Autant les utiliser. Qu'est-ce que je vais utiliser? Des gants. Nina qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Et puis, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui m'attend au-dessus? Oh mon Dieu, c'est un... Et ça, je l'ai maintenant. Waouh, gros effort de la GBA. C'est ta deuxième scène, vachement cool. Oui. Mesdames et messieurs, la drogue. D'accord. Donc la drogue. La bonne drogue. Ah mon Dieu, il y a un trou. Ok. Mais qu'est-ce que c'était bien que ceci? Des cafés. D'accord, donc, ce n'est pas de la drogue, c'est juste que je suis à la taille de ce qu'on pourrait appeler un insecte. Je le prends très très bien. Je le prends très très mal. Alors, moi je m'attendais à un combat de boss, voyez-vous. Je m'attendais à un truc et non. Et puis il y a un mort. Bon, heureusement qu'elle peut s'auto-réanimer. Je pense qu'on peut dire ça. Elle s'auto-réanime même si elle est étourdie. C'est parce que là, les personnages ne sont pas morts, ils sont étourdis. C'est pas pareil. Bonjour. Ah mais vas-y! Et puis c'est gratos. Par contre, est-ce que t'as un plein de... T'as pas un point de sauvegarde? Tu t'en bats les couilles de moi, dis-toi. Tiens, gna, t'as l'aide. Quoi? Ah mais la trad est dégueulasse. Je tiens à dire que la trag, la trag, la trac, la traduction. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal à dire le mot traduction. Des mots se sont mélangés dans ma tête. Voilà. Mais la traduction est... a été compliquée, on dirait. On est bien compliqué de ouf. Par contre, les cafards, c'est mon nouveau main maintenant. Après les mouches, c'est les cafards. Là, je peux vous le dire. Ah, j'en suis même sûr et certain. Les cafards qui laissent de l'herbe. Quoi? Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, il y a un cafard. Là, tu vois, c'est jouable. Et puis, c'est facile. Par contre, donc. D'accord, tu es donc une souris. Ah, il y avait un coffre, je l'ai. Droite, gauche ou. Je sais pas. On va dire là. Ah, c'est. Quelle est la solution de cette. Quelle est la solution? Parce que je ne sais pas. Mettons en haut, je la sens pas. Ah, bah, il y avoir un mort. Toi, tu vas tellement mourir, Nina. Nina. Comment ce réflexe? Un réflexe incongru de renommer les personnages, n'est-ce pas? Waouh, j'ai gagné d'XP. Oh mon Dieu, il se passe des choses. T'es bon, je suis fou. Ouais, je suis pas fou.
Voilà, bon. Il y en a un qui a pas beaucoup de points de vie, mais c'est qu'est-ce que. Non. Très bien. Donc je me bats contre des. Des cafards rouges. Dégueulasse. Alors. Ça va être. Trop bien. T'as toujours pas de sort. Toi, t'as un sort. Toujours pas de sort. 22 dégâts. Beaucoup trop de dégâts. Peu de dégâts. Oh la. Quoi? C'est quoi le délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ok, changement de plan. Changement de plan, mais direct. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas changer. Lui avec elle. Et toi, tu vas faire une attaque de zone, mais la pire attaque de zone du monde. Genre l'orage 4. Ah, je suis en train de décéder. Ah, je suis en train de décéder. Et va bientôt y avoir deux morts. Va bientôt y avoir deux morts. Toi, tu vas faire la pire attaque de zone du monde. C'est simple. C'était pas utile. Voilà. Bon, maintenant, tu vas faire le pire soin du monde. Objet, objet, objet. Bon, alors PV à tous. Toi, tu vas attaquer l'autre. Et toi. Bon, électricité, ça sert à rien. Dans ce cas, est-ce que tu peux pas te soigner? T'as pas un autre sort utile? Je dois avoir la priorité. Je me soigne, putain. J'ai pas la priorité. J'ai pas la priorité. C'est quoi cette arnaque? Alors, c'est bizarre. Et moyennement utile. Alors, du soin. Ok, du soin. Ah, du soin pour Nina. Eh ben, admettons. Ah ouais, mais très bien. Donc, ça, déjà là, le phare, c'est 999 de dégâts. Ça doit être au maximum. Mais ce combat de. Bah, quoi? Qu'est-ce que c'était? Nina va utiliser son bouclier pour la première fois de sa vie. Bah, lui, des dégâts magiques. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah. Augmente la défense, augmente ta défense. Car l'attaque et elle est l'attaque. Pétrifié. Parfait. J'en attendais pas moins. Ah non, c'est le sort. Allez, le premier décès. Enfin, le second décès. Waouh. Le 448 et. Et c'est tout. Ouah, c'était le combat. C'était le combat de ma vie. Là, franchement, c'était le combat de toute une vie qui s'est jouée devant vous. Mais moi, je suis choqué. Je suis choqué de ne pas pouvoir continuer. Waouh, yes! Fini! Oh, pouf pouf pouf, et maintenant faut aller tout en bas. Ouais, bon, maintenant faut redescendre tout en bas parce que le jeu il veut pas. Et en fait, ouais, ça sert juste à rien, ça. Ouais, c'est juste pour te dire, ah, c'était pas le bon chemin, c'était pas le bon chemin, c'était pas le bon chemin. Et voilà, j'ai. Oh bonjour, vous me bloquez le passage. Bonjour. Potion curative. Un soin M. D'accord. Et donc ça fait. Ça fait que je suis redevenu grand. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Bah, franchement.
Je réfléchis. Là, franchement, je pense pas que ça vaille la peine que je continue. Écoutez, je séparerai cette partie en deux. Ce donjon sera en deux parties. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je reprends juste après pour la seconde partie. Donc, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette première partie d'épisode dans ce donjon qui s'appellera Labo 1 sur 2, j'espère. Peut-être que la seconde partie sera plus courte, je ne sais pas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant quand même que ça vous ait plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, de me suivre sur Twitter et plein d'autres choses. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire.